Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du tour de jeu de Dungeon Crusade. Donc pour rappel, Dungeon Crusade est un dungeon crawler. Allez voir mes précédentes vidéos et vous comprendrez un peu l'idée, les mécaniques du jeu. On va s'attarder au tour de jeu aujourd'hui, on va le passer dans l'ordre. Le tour de jeu dans Dungeon Crusade est composé de 5 phases. Nous allons commencer par la première qui s'appelle l'Upkeep Phase. Alors, l'upkeep phase, c'est quoi? C'est celle dont vous faites, ou d'habitude dans les jeux, eh ben, on contrôle des choses, on réajuste des marqueurs, on reset des choses. Et Dungeon Crusade suit la tradition. Mais il y a quelques particularités. Donc la première chose qu'on va faire dans l'upkeep phase, c'est celle qui indique que toutes les afflictions que l'on a prises dans les tours précédents font leur effet. Alors qu'est-ce que les afflictions dans Dungeon Crusade? Les afflictions, ce sont ces cartes-là, qui sont finalement des statuts, des effets qu'on récupère dans le jeu en se prenant des pièges, en se prenant des coups. Ça peut être des effets de combat aussi. Et vous voyez qu'on a un petit icône du type de combat, parce qu'il y a 6 types de combat dans Dungeon Crusade. On a l'icône du type de combat ici. Et quand vous allez prendre une affliction, ça va vous dire de quel type c'est. Et donc pour chaque type de combat, en fait, c'est la même affliction. Donc ici, c'est en niveau 2. Au recto, vous avez le niveau 1 de l'affliction. Il y a un niveau 1 et un niveau 2, pourquoi? Si vous avez déjà une affliction de niveau 1, ici de type combat à distance, et que vous prenez une deuxième affliction de niveau 1, une deuxième affliction de combat à distance, et bien vous passez en niveau 2 sur cette affliction. Si vous êtes déjà en niveau 2, vous n'en prenez pas en plus. Donc il y a des potions qui sont utilisées pour retirer ces afflictions, ce sont les élixirs qui vous permettent de retirer toutes les afflictions. Vous pourrez également les retirer quand on ira au temple pendant le Celebration Day. Donc là, en ce moment, mes personnages n'en ont pas. Ce qui veut dire que il faut le prendre en compte, mais je n'ai aucun effet négatif, néfaste, pendant ce tour de jeu. Donc mes cartes personnages sont juste devant, ici. Je préférais zoomer sur la scène pour le moment. Une fois qu'on a fait les afflictions, on va regarder s'il y a des effets de début de tour de jeu. Donc là, j'en ai aucun. Mais si jamais j'avais une carte avec un effet qui aurait lieu en début de tour de jeu, ce serait maintenant. Ensuite, on va vérifier l'état des torches. Donc mes personnages ont des torches. Donc Face, ma Claire, a une torche qui est allumée. Évidemment. La torche allumée permet, pendant le déplacement, d'ajouter 2 cases au déplacement. Au début de chaque tour, donc pendant l'upkeep phase, on va vérifier que les torches ne sont pas arrivées au bout, ne se sont pas consumées complètement. Comment est-ce qu'on fait? On prend un D12, et pour chaque personnage qui aurait une torche, on lance ce D12. Donc je vais le faire tout de suite pour Face. Je fais 5, la torche reste allumée. Si jamais je fais 1 ou 2, la torche s'éteint. Et ça veut dire qu'en fait, c'est pas que je peux la rallumer ensuite, c'est qu'elle est bonne à jeter. C'est un bout de bois mort, c'est grillé, on peut plus l'utiliser. Donc je la jette. Et quand je jette, ou quand je consomme une potion, quand je jette une de mes torches, ça va dans la réserve globale de tout ce qui a été consommé. Donc là, moi, je le mets dans ce petit support-là. Et cette réserve, tout ce qu'on a consommé en potion et en torche va revenir en stock dans le bazar qui se trouve dans le village. Ça veut dire aussi qu'on a une limite d'utilisation des potions et d'achat des potions. On n'a pas un stock illimité de potions dans le village. En tout cas par quête. Entre chaque quête, on va faire un restock en fait, des potions dans le village. Donc ça vous fait un peu de pression parce que vous ne pouvez pas prendre votre temps entre les blessures que vous faites, vous soigner tranquillement, faire vos quêtes. Il y a un moment où vous allez être blessé, vous n'aurez plus moyen de vous soigner. C'est ce qui est mon cas actuellement. Je vais être un peu en mode rush. Parce que j'ai plus rien pour me soigner, les potions je les ai toutes utilisées, et j'ai quelques personnages qui sont pas super bien en point de vie. Je planifie d'ailleurs de pouvoir augmenter une capacité de ma Claire pour pouvoir soigner les autres. J'ai également mon sorcier, mon archer qui a une torche, donc je vais le lancer aussi. Si elle fait 12, donc la torche ne s'éteint pas. Donc ça va, les deux torches restent allumées. Une fois qu'on a fait les torches, on va s'occuper des personnages qui seraient morts au tour précédent. Donc les personnages morts au tour précédent, on les retrouverait ici. On aurait mis leur standees
sur Resurrection Altar, l'autel de la résurrection, et on s'apprêterait à aller, les prêtres du village, en fait, hein, c'est pas nous tout seuls, c'est les prêtres du village, pour nous aider, iraient ressusciter nos morts. Comment ça se passe quand un personnage est ressuscité? Alors je rappelle qu'un personnage mort va faire augmenter le niveau de terreur du village. Donc c'est jamais bien d'avoir un personnage qui meurt. C'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire que ça empêche, ça fait pas perdre la partie, mais, sauf si le niveau de terreur est trop élevé. Mais par contre, ça fait augmenter le niveau de terreur. Donc quand on va ressusciter le personnage, on va prendre un des trois. Donc c'est bien un des trois, un des six faces, mais avec les valeurs de 1 à 3. On va prendre un des 12 oranges et un des 12 rouges. Et on va lancer ces 3 dés. Donc, bah j'ai personne de mort, je vais le faire devant vous. Voilà, j'ai personne qui est mort. Le dé 3, ça va donner le nombre de points d'essence et de points de vie qu'on va récupérer. Le dé orange, c'est le nombre de points d'essence en plus qu'on va récupérer. Et le dé rouge, c'est le nombre de points de vie qu'on récupère. Donc si j'avais eu un personnage mort et qu'il était ressuscité, il reviendrait avec 5 points de vie et 5 points d'essence. Ce qui ne serait pas énorme pour revenir dans le donjon. Et on placerait à ce moment-là son standee près d'un autre personnage, près d'un autre héros. Il y a une explication avec une pierre magique qui permet de rassembler les personnages. Voilà, ça c'est la résurrection, on la fera aussi pendant le petit phase. Ensuite, on va redresser les compétences. Donc... les compétences, quand on les utilise, parfois, on va les, ce qu'ils appellent channel, on va les exhaust, en fait, on va les dépenser. Quand j'ai une compétence qui a une flèche rouge, comme ça, et que je l'utilise, eh ben, je retourne la carte. Ça veut dire que je peux l'utiliser qu'une fois dans mon tour, et qu'ensuite, elle n'est plus utilisable jusqu'à ce qu'elle soit redressée. Et c'est pendant l'upkeep phase que je redresse mes cartes. Donc là, on est dans l'upkeep phase, je redresse la carte, qui est celle du paladin. Mon barbare, lui, il a une capacité, mais elle ne se retourne pas quand on l'utilise. C'est une flèche verte, donc elle reste comme ça. Donc j'ai pas besoin de la redresser. Et par contre, mon archer a son long shot, qui n'a jamais fonctionné pour l'instant, mais qui a été dépensé, et qui se redresse parce qu'elle l'a utilisé. Donc les compétences, pour les utiliser, on a le coût en points d'essence ici. Ici, c'est le coût en points d'expérience, finalement, en Life Force Token, qui est utile pour acheter la compétence. Donc là, en tout cas, j'ai redressé ma compétence pour l'archer, et j'ai également une compétence pour le voleur, la voleuse plutôt, qui va être redressée, qui est sa dague de l'ombre. Donc voilà, on redresse les compétences à ce moment-là, pour celles qui étaient à redresser, évidemment, et on va faire l'ordre du tour. Donc l'ordre du tour, je vous ai prévu une petite vidéo spéciale pour vous expliquer l'importance de l'ordre du tour, je vais pas y revenir. Là, l'ordre du tour, ça consiste en quoi? Je vais prendre mes petits marqueurs qui sont ici, et indiquer qui est-ce qui a l'ordre d'activation en fait, de mes héros. Et l'ordre d'activation est important, on y reviendra quand on parlera du ralliement. Et vous verrez le petit extrait que je vous ai fait, un bout d'une autre partie, enfin de la même partie, mais un tour au précédent, pour vous expliquer l'importance de l'ordre. Donc là, on va décider quels sont les personnages qui vont jouer en premier. Donc je vais le faire, je vais faire mon montage, je vais faire le choix, et ce sera fait. Une petite séquence d'illustration de l'importance du planning dans Dungeon Crusade. Donc le planning a lieu dans la première phase, dans la phase d'upkeep, avant de savoir si un gardien arrive dans le donjon. Et là où c'est très important, c'est que l'ordre va compter si vous voulez faire des ralliements entre héros. Donc si vous voulez que des héros rentrent avec vous dans une chambers, par exemple, il faut qu'ils soient dans l'ordre consécutif au niveau de l'initiative. Donc on va devoir placer les marqueurs d'initiative sur les personnages, et il va falloir réfléchir aux actions qu'on veut faire. Et j'ai un bon exemple ici, juste devant, qui arrive pendant ma partie, j'en profite pour le filmer et vous le montrer. Ici, nous avons donc le paladin et la claire, la prêtresse, qui sont pas loin d'une chambers, et mon objectif ce serait d'aller faire cette chambers qui terminerait, enfin qui ferait une partie qui avancerait ma quête secondaire. Un peu plus à droite ici, nous avons ma voleuse. Ici, nous avons une Wraith qui n'est pas encore en raiding. C'est-à-dire qu'elle peut très bien repartir par ici, ou elle peut très bien avancer, ou par là, et à ce moment-là, se transformer en raiding minion et repartir vers la sortie qui est juste à côté, qui est juste là, la sortie. Donc, et j'ai également une archer
qui a une capacité spéciale de tir à distance, qui se trouve juste à l'entrée ici. Vous la voyez. Bon, par contre, il ne faut pas qu'elle rate son tir, parce que c'est une compétence, donc il ne coûte pas d'action, ce n'est pas un combat, mais ça fait un point de dégâts, et la Vraith n'a qu'un point de vie. Donc ça suffirait à l'éliminer. Alors, pour bien faire, je ne veux absolument pas que la Vraith aille vers la sortie, parce que si jamais elle se transforme en Raiding Minion, elle va forcément aller vers le village et faire augmenter le niveau de terreur. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que je commence par faire jouer mon archer, l'archer qui est là. Elle va s'approcher à 4 de distance, donc elle va transformer la Vraith en Raiding Minion, ce qui va forcément risque de m'embêter, mais je n'ai pas le choix, puisque sa compétence est à 4 de distance à l'archer. Donc elle va jouer en premier pour essayer de décocher un tir longue distance, pour l'éliminer. Si jamais ça ne marche pas, puisque c'est le lancer d'un dé, on ne sait jamais, ça peut très bien rater. Je serais bien embêté, donc je peux très bien aller faire combattre mon archer contre la Vraith, mais elle a peu de chances de s'en tirer. Les types de combats de la Vraith ne correspondent pas à celles de mon archer. Ce qui veut dire que je la ferai fuir plutôt. Et je vais ramener ma prêtresse, qui a les types de combats qu'il faut pour battre la Vraith. Après, on n'est pas à l'abri que ça rate, mais ce sera un deuxième coup. Sachant que si je m'approche au contact, si la Vraith se déplace, il faudra qu'on refasse un combat. Je pourrais contre-attaquer à ce moment-là. Donc ça me fait encore deux possibilités de combat pour l'éliminer. Alors, et ensuite, je fais jouer mon paladin. Et ensuite, je fais jouer ma veleuse. Pourquoi? Donc si jamais mon archer rate son coup, enfin non, dans le meilleur des scénarios, si l'archer réussit son coup, à ce moment-là, le paladin et la claire rentrent dans la chambers, on verra bien ce qu'il y a dedans, et font le combat ensemble s'il y a besoin. Comme ça, ma voleuse peut aller miner le site, appeler Albus qui est ici pour récupérer les pierres et aller vers le village pour les faire travailler par le forgeron. Si jamais par contre le tir de l'archer rate, il faut pouvoir éliminer la Vraith. À ce moment-là, j'envoie la prêtresse qui va aller ici, mais qui va se déplacer et faire son action d'attaque, mais ça terminera son tour. Et alors, j'enverrai mon paladin et ma voleuse à l'intérieur de la Chambers. Comme ça, je vais quand même faire ma Chambers pour essayer de terminer ou d'avancer ma quête secondaire. Donc voilà un exemple qui fait que, quand vous faites votre tour d'initiative, c'est super important de le planifier un petit peu, et c'est très sympathique à faire. Je trouve que c'est pas trop complexe pour la tête, mais ça demande de faire attention, d'essayer d'ordonner les choses, et de prendre des plans B, au cas où les choses tournent mal. Donc voilà, c'était l'illustration. Évidemment, là, dans ma configuration, j'ai aussi des minions qui sont ici, qui ne sont pas encore en raiding, qui sont plus loin. Mais j'ai mon barbare et mon sorcier qui sont ici. Donc soit pour les taper, j'ai pas encore regardé si les compétences correspondaient, soit l'idée, c'est quand même d'aller dans cette chambre-là, là-haut, parce que c'est ici qu'il y a la clé que je dois récupérer pour ouvrir les portes bleues. Donc voilà, c'était une illustration du planning, de l'upkeep phase et de l'importance des pions d'initiative dans Dungeon Crusade. Concernant l'ordre d'activation des personnages, notre sorcier va jouer en premier, suivi du barbare, suivi de l'archer. Alors pourquoi? Parce que l'archer se trouve ici, à côté de monstres qui veulent sortir du donjon. Ils sont en mode raid, donc ils veulent s'échapper du donjon. Derrière, mon barbare et mon sorcier viennent de terminer de récupérer la clé, qui est la clé en ivoire, qui permet d'ouvrir les portes bleues que l'on trouve ici. Des portes qui ont une base bleue. Et à ce moment-là, il faut qu'on aille trouver des objets nécessaires à la quête. En quatrième et cinquième, on va retrouver la claire et le paladin. Et enfin, en sixième, la voleuse. Pourquoi? La claire qui se trouve juste ici. Va remonter et prêter main forte contre les monstres qui veulent s'échapper. Pendant ce temps, mon paladin et ma voleuse, qui sont déjà dans la pièce, qui ont éliminé un monstre qui se trouvait dans la pièce, vont remonter ici pour aller vers les pièces qui sont plus loin, donc là où il y aura et retrouver le barbare et le sorcier, pour ouvrir les portes et essayer de terminer la quête. En plus de ça, la quête annexe nous demande de vider, de trouver en fait le chef des bandits dans une des deux salles qui se trouve dans ce cadran-là. Enfin, pour terminer l'upkeep phase, si jamais
La quest table qui se trouve, donc la table de quête qui se trouve ici, est entièrement résolue. C'est-à-dire qu'on aurait passé le marqueur en vert, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. À ce moment-là, on doit placer un marqueur ici, sur la piste de téléportation. Et dès lors, à chaque upkeep phase, on déplacera le marqueur d'un cran. Quand le marqueur atteindra le côté téléportation, les héros seront téléportés dans le village, les minions seront détruits également. Parce qu'on considère que la pierre, une pierre magique a détruit, le fait d'avoir résolu la première quête, le sceau ici détruit le mal qui règne dans le donjon et tous les minions sont supprimés. Et ça met fin à la phase d'upkeep, la première phase du tour de jeu de Dungeon Crusade. Donc la phase numéro 2, c'est l'encounter phase. L'encounter phase, ça correspond à une phase de rencontre, à une sorte d'event qui arrive. Donc on va piocher tout de suite une carte de rencontre. Les cartes de rencontre, elles sont mises ici. Hop. Donc on va voir la carte de rencontre. Qu'est-ce qui a marqué coup de bol? Alors c'est pas marqué coup de bol, il y a marqué interlude. Les cartes interlude, il y en a 10 sur les 40 cartes rencontres qui sont dans la partie, là, dans la quête en cours, il y a 10 cartes interlude. Ce sont des cartes où il ne se passe rien. Parfois sur les cartes rencontres, je vais vous en faire voir une autre, vous allez avoir des symboles comme ça, qui vont vous dire à qui ne s'adresse pas cette carte. En fait ici, l'œil, ça veut dire que vous êtes poursuivi par un gardien. Donc si vous êtes poursuivi par un gardien, il y a marqué, vous voyez, marqué sélectionner un héros. Donc le héros sélectionné ne peut pas être poursuivi par un gardien et ne peut pas être adjacent à un autre monstre, parce qu'il serait considéré comme engagé dans un combat, et donc il ne peut pas être en train de se balader à faire quelque chose d'autre. Parce que les histoires des encounters, c'est bah, pendant qu'on est dans le donjon, on rencontre des choses, on voit des choses, et il nous arrive des choses, mais pas quand on est en train de combattre ou en train de fuir un gardien. Donc là, la phase 2, vous voyez qu'elle est très simple, c'est l'encounter phase, on pioche une carte, et on regarde ce qu'il y a écrit dessus. La phase numéro 3 concerne l'apparition d'un gardien. L'apparition d'un gardien est faite avec cette piste située ici. Guardian spawn. Au début de la partie, en niveau normal, le niveau de gardien est à 18. Pour savoir si un gardien apparaît, on lance un des 20. Si le résultat du dé est supérieur ou égal à l'endroit où se trouve le marqueur, donc au début du jeu 18, un gardien apparaît. Si on fait en dessous, il n'apparaît pas. Quel que soit le résultat, donc un gardien apparaisse ou pas, le marqueur va descendre d'un cran. Et donc vous voyez que depuis le début de la partie, il est descendu, descendu, descendu. Mon marqueur se trouve actuellement ici. Donc on va lancer pour savoir s'il y a un gardien qui arrive. Sur 11 ou plus, un gardien apparaît. 6. Pas de gardien encore. J'ai de la chance sur cette partie. Hein. J'ai eu une fois un gardien en fait qui est apparu avec le lancer de dés. Le premier gardien qui est apparu est apparu à cause d'une carte. J'ai eu énormément de chance. Nous passons maintenant à la phase des héros. Un héros, quand il s'active, donc dans l'ordre qui a été planifié dans la phase d'upkeep, la première phase, un héros quand il s'active peut faire deux actions. Que peut-il faire avec ces deux actions? Alors tout d'abord, il faut rappeler que toutes les actions qui coûtent un point d'action peuvent être associées à un déplacement. Ça veut dire qu'un déplacement simple coûte une action. Mais récupérer un trésor, quand on va se trouver sur une zone trésor, donc quand on a un pion par exemple, comme celui-ci, et qu'on passe dessus, enfin qu'on s'arrête dessus plutôt, on ne va pas compter une action pour le mouvement, une action pour récupérer le trésor. On va terminer son mouvement sur le trésor, récupérer le pion trésor, enfin, prendre le pion trésor et tirer une carte trésor de ce type-là et découvrir ce qu'il y a dedans. Ça, ce sera une action, d'accord? Le mouvement fait souvent partie de l'action qu'on va faire à la fin de ce mouvement. Attaquer un monstre, par exemple, je peux me déplacer et attaquer, ce sera une action. Rentrer dans une pièce où il y a un champion, par exemple, ce sera l'attaque du champion, ou au moins la découverte de la pièce. C'est mon déplacement, je rentre dans la pièce, donc j'ouvre la porte, je la ferme,
et je vois ce qu'il y a dans la pièce. D'accord? Donc le mouvement est souvent intégré à l'action qui va être effectuée. On ne décompose pas systématiquement mouvement plus action. Par contre, quand on se déplace uniquement et qu'on va aller très loin, par exemple, on peut très bien faire deux actions de mouvement. Ce seront deux mouvements séparés, sans rien au bout, ou alors on fera une action de mouvement, puis une action de mouvement qui va se terminer par une autre action ou une attaque ou autre chose. Donc bien penser à ça, et je trouve ça assez original de ne pas avoir à dépenser systématiquement un mouvement, puis une action. Par exemple, si on fait deux points de. Si on se déplace de deux cases, de dire bah ah, ça c'est une action, et puis après je fais l'action qui est entre guillemets intéressante. Donc si je dois résumer les actions dans le jeu, le mouvement. Alors comment ça se passe un mouvement? La valeur de mouvement est indiquée sur la fiche de personnage. Donc je vais prendre par exemple mon sorcier, puisque c'est le premier à jouer, hein, il a le marqueur numéro 1. Et sur sa caractéristique de mouvement est indiqué D6 plus 2, ça veut dire que son mouvement de base c'est 2, et qu'en plus on lance un D6 pour gérer un peu l'aléatoire du donjon, ce qui peut traîner dans le donjon. Donc mon sorcier il est ici, vous le voyez, je l'entoure ici, et il était avec mon barbare, ils ont réussi à éliminer un champion et à récupérer la clé d'ivoire qui est nécessaire pour aller ouvrir les portes qui ont une base bleue dans le scénario. Derrière ces portes avec une base bleue, on doit y trouver les ingrédients qui vont nous permettre de soigner les enfants, je crois, de quelqu'un dans le village. Les enfants qui ont été mordus justement par les bestioles qui sont ici, là, qui s'appellent des Blackwood Prowlers. Donc eux, ils ont été mordus par des Blackwood Prowlers qui étaient contaminés, visiblement, et commencent à se transformer un tout petit peu en loup-garou. Ou du moins en bête. Donc on cherche les ingrédients qu'un alchimiste va pouvoir utiliser. Donc en partie dans les chambres qui sont avec des bases, là où il y a des portes avec des bases bleues, mais on doit également récupérer du sang de corbeau qui se trouvera un peu plus à droite, par là, dans la forêt. Dans le début de la forêt, en tout cas, on doit trouver du sang, un nid de corbeau, et trouver un corbeau et récupérer son sang. Tout est très simple, sachant qu'il y a un gardien là-bas qui nous attend. Enfin, qui va nous attendre, qui va venir vers nous. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur le déplacement du sorcier. Je vais donc lancer un D6 et faire son déplacement. L'idée là pour moi, c'est de me déplacer vers le squelette qui se trouve ici. Et si je recule un petit peu la cam, vers le gobelin qui se trouve ici, pour les éliminer. Et de pouvoir commencer à fouiller dans les chambres bleues. Donc avec mon barbare et mon sorcier. Donc je rezoome sur mon sorcier. On va aller voir le mouvement tout de suite. Je lance un D6. Donc je fais 5. Ça veut dire que mon sorcier peut se déplacer de cette case. Donc le déplacement d'un héros se fait orthogonalement. C'est la seule chose qui sera orthogonale. Sinon, l'adjacence dans le jeu est dans toutes les directions, diagonale et orthogonale. Mais le déplacement, que ce soit les ennemis ou les héros, est orthogonal. Alors, j'ai 7 points de déplacement. Je peux, si j'ai envie, dépenser de l'essence pour aller plus vite, comme pour une voiture. Dépenser des points d'essence, qui sont en bas, ici, pour gagner une case, un point de déplacement par essence dépensée. Et ça, je peux le faire, c'est gratuit, autant de fois que j'ai d'essence. Donc je vais voir où atterrit mon sorcier d'abord. On sort de la pièce. Vous voyez que les portes, elles sont uniquement pour préciser l'endroit où se trouve vraiment la chambre. Parce que normalement, on ouvre, on ferme quand on sort. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le souci, si je reste ici, c'est que je suis à 4 cases, à moins de 4 cases ou de 4 cases du squelette, et qu'à ce moment-là, il va m'apercevoir et il va se transformer automatiquement en Raiding Minion. Et donc, il va vouloir s'enfuir par la sortie qui se trouve plus bas. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est mon premier déplacement. Donc, je pourrais très bien dépenser de l'essence pour me rapprocher et être au contact, mais de toute façon, on va le voir. Une des actions que je peux effectuer, c'est l'attaque. Et l'attaque, une fois qu'on l'a fait, elle termine notre tour. Donc de toute façon, dans un tour, je ne pourrais faire qu'une seule attaque. Je ne pourrais pas attaquer deux fois. Donc mon sorcier est ici et
Mon squelette est ici. Alors pourquoi il est ici le squelette et pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là? C'est qu'ici, quand je déplace les ennemis, s'ils sont en cours sur une piste de déplacement, sur une route de patrouille, j'indique où est le devant du standees pour être sûr que je ne vais pas me tromper, je ne vais pas le faire partir dans le mauvais sens quand il va reprendre son mouvement. Puisqu'en fait, il se déplace entre deux points, soit des points de spawn, soit des tas de crânes, comme on voit ici. Ils terminent leur route avant de changer de direction. Donc, le squelette qui se trouve ici, je vais faire un deuxième mouvement, ce qui sera ma deuxième action, mais à la fin de ce mouvement, je vais l'attaquer. Donc je lance un deuxième mouvement, je l'ai mis en dehors de la piste. Ah, cette fois-ci, par contre, j'ai fait que 1. Donc 1 plus 2, ça fait 3. 1, 2, 3. Vous voyez qu'ici, je suis adjacent à lui. Parce que je suis à une case, mais en diagonale. Mais l'adjacence est dans toutes les directions, dans les 8 cases autour de la cible, ou autour d'un standee. Donc là, je peux faire mon attaque. C'était juste, mais j'ai pu le faire sans dépenser d'essence. Puisque mon sorcier attaque le squelette, on va en profiter pour voir le combat. Donc comment se déroule le combat? Le combat, c'est très simple. Le squelette, comme on l'a vu dans la présentation des différents composants, a trois types de combats. Le physique, le mystique, et ici, le sacré. Donc on pourrait dire aussi rouge, violet et vert. À chaque fois, il y a des valeurs associées. C'est les valeurs que je devrais faire avec mes dés, donc des dés 12 et des dés 6, pour lui infliger un dégât ou me protéger. Donc on va aller sur le plateau de combat et faire le combat contre le squelette. Pour les besoins de la vidéo, j'ai placé la carte de mon squelette juste à côté du plateau de combat. Normalement, elle est rangée dans la ligne des différents monstres qui sont sur le plateau. Donc ici, on a la fiche de mon squelette et devant vous, mon héros. Il y a aussi des valeurs dans les différents types de combats. Ces valeurs seront ajoutées au dé qu'on va lancer quand on va faire le combat. Alors, comment ça se passe quand on fait un combat? Donc, je rappelle, c'est un combat dans le donjon, il ne dure qu'un round. On ne fait qu'un round de combat, quelle que soit l'issue du combat. Que le héros ait pris une blessure, que le monstre soit tué ou pas, on fera qu'un seul round de combat. Donc, on récupère d'abord les marqueurs des différents types de combats du monstre, puisque c'est lui qui mène quelque part un peu la danse. Donc il faut qu'on récupère le marqueur rouge de combat, le marqueur violet, donc le vert, le violet et le rouge. Donc vous avez deux possibilités. Moi j'ai changé un peu la formule. Normalement on mélange les marqueurs qui sont ici, sans les regarder évidemment, pour les placer en round, en phase 1, 2, 3 du combat. Parce que le combat va se dérouler sur les trois types de combats, qui sont ceux du monstre, mais dans un ordre qui va être à chaque début de round de combat, fait aléatoirement. Donc là ici il n'y a qu'un round, donc on va le faire une seule fois, mais dans un combat contre un champion qui va avoir plusieurs rounds jusqu'à ce que soit le héros s'évade, soit que le héros meure, soit que le monstre meure, que le champion meure, on aura plusieurs rounds et à chaque début de round on refera ce mélange. Ici on a un seul round, on fait quand même le mélange et on révèle les différents types de combats. Donc le premier sera du combat physique, du combat de type arcane et le mystique. À la fin. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va se positionner pour savoir est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on défend dans le combat. Comment est-ce que je peux attaquer? Le seul moyen d'attaquer, c'est d'avoir une arme pour attaquer. Si j'ai deux armes, je peux attaquer deux fois sur les trois rounds. Donc ça veut dire forcément, il y a une des phases d'attaque ici. Enfin, c'est pas trois rounds, c'est trois phases d'attaque. Donc il y a trois phases et je peux avoir que deux armes au maximum, parce que je peux avoir une arme dans chaque main. Alors, pour info, l'arc est considéré comme une arme à une seule main pour les besoins du gameplay. D'accord? Donc si j'ai un arc et une épée, je peux attaquer deux fois. Et je vais indiquer pour chaque phase si je défends ou si j'attaque. Donc si je défends, je le mettrai comme ça. Si j'attaque, je le mettrai comme ça. Mon sorcier est bien équipé en armes. Il a deux armes. Il a une hache qu'il a récupérée et un bâton. Donc la hache fait des dégâts de type chaotique, le bâton de type arcane, et là on va potentiellement en avoir besoin. Mon sorcier, au niveau de ses compétences de combat, il a donc pas de malus en arme chaotique. Il a un bonus de plus 2 en arme d'arcane, donc ça tombe bien, parce que ça veut dire que mon bonus de mon personnage va venir s'additionner au bonus de mon arme. Et en arme physique, il a un plus 1 également. Mais il n'a pas d'arme physique. Mais c'est pas grave. Je peux très bien décider. Donc en fait, mon choix va être entre le plus 2. Le plus 2 en mystique et le plus 1 en combat. Donc je pourrais très bien dire, bah, je vais attaquer
pendant le round où c'est un type de combat de type arcane, je vais attaquer avec mon bâton, et pendant le round avec le combat de type physique, je vais attaquer avec la hache. Même si la hache n'est pas associée au type physique, ça reste une arme qui fera un dégât. La seule chose, c'est que je ne profiterai pas du bonus de mon arme, puisque c'est uniquement pour le type de combat chaotique. Et là, on peut se rendre compte que, et que j'avais complètement oublié, c'est que mon sorcier, il n'a que 3 points de vie, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc d'accord, je peux attaquer une fois dans une phase avec une arme. Si j'ai 2 armes, je peux attaquer donc dans 2 phases différentes. Et dans la troisième, je vais être obligé de défendre. Donc à moi de choisir sur quelle phase je vais me placer. Il faut regarder aussi les valeurs à atteindre sur l'ennemi. Donc, puisque en vert, on a dit qu'on ne se posait pas de questions, il faut faire 8 ou plus, et que j'ai déjà plus 3 en bonus, donc ce sera pas mal, je vais forcément attaquer dans le type de combat vert. Après, on avait le choix entre le combat mystique et le combat physique. J'ai des bonus supplémentaires en combat mystique, je vais vous les faire voir. Donc je vais choisir le combat mystique comme deuxième attaque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mon personnage, sur ces 2 armes, je vais dire qu'en phase 1, je vais défendre. Donc le marqueur de phase 1, il va se mettre en défense sur mon personnage. Donc pendant le combat physique, je vais me défendre. Et le marqueur de phase 2 et 3, ils seront en attaque. Donc par exemple, en 2 sur l'arme qui est de type arcane, même type de combat. Et en 3 en attaque sur le combat mystique. Même si mon arme n'est pas une arme mystique. Donc j'ai pas de bonus d'arme non plus. Qu'est-ce que je vais avoir sur mes combats? Je vais avoir les bonus d'arcane de mon arme et de mon personnage. Et pour le côté mystique, que le bonus de mon personnage. En utilisant la hache. Et une fois qu'on a mis nos petits marqueurs, on les place pour dire ici je suis en défense, ici je suis en attaque, ici je suis en attaque. Une fois que c'est fait, on récupère les dés qui correspondent aux différents types d'attaques. Donc on a les dés violets, les dés verts et les dés rouges. Donc vous voyez que pour chaque type de combat, on a un dés 6 et un dés 12. Et c'est la somme des dés que l'on va comparer aux valeurs de l'ennemi, du monstre. Donc on va lancer les dés, et les voilà. Donc en rouge, on a fait 15. En vert, on a fait 11. Et en violet, on a fait 16. Sur les dés. Maintenant, comment ça se passe ? Donc la phase rouge, on a dit que c'était le squelette où on était en défense. Donc ça veut dire que on va comparer comme si on faisait une attaque, sauf que même si on remporte le jet, on ne fait pas de dégâts, parce que c'est une phase de défense. Mais par contre, on ne se prend pas les dégâts. Donc ici, j'ai 15. En bonus sur mon personnage, j'ai un plus 1 au combat physique. Donc ça veut dire que j'ai un résultat total de 16, que je compare à la valeur du combat physique du squelette, qui était de 10. Donc vu que j'ai atteint ou dépassé 10, hein, forcément, avec 16, je ne prends pas le dégât, là j'étais en défense, je ne prends pas le dégât de 1. D'accord? Donc ça, cette phase, la phase combat physique est passée. Ensuite en vert, j'ai fait 11, mon personnage a plus 2 ici, et il a plus 1 grâce à son arme, qui attaque, comme c'est marqué avec le pion, en phase 2. Donc ça fait 3 plus 11, ça fait 14. Je regarde le combat ici. Il fallait faire 8 minimum. Donc je touche le squelette. Donc ça veut dire que je vais lui mettre un point de dégâts. Un point de dégâts, c'est un marqueur comme ça. Je mets un point de dégâts sur sa fiche. Et ce que je vois ici, c'est que le squelette, c'est un type élite, il a un effet spécial. Sinon, les types standards n'ont pas d'effet, on continue normalement. Lui, il a un bouclier. Pour chaque jet qui a de succès sur lequel je vais lui faire des dégâts, il doit lancer un D20, et si jamais il fait entre 16 et 20, il arrive à dévier le coup que je lui ai mis. Donc je vais le faire après, d'accord? Je vais mettre les dégâts que je fais normalement, et je vais le faire après.
pour chaque réussite. Donc ici, en vert, c'était bon, on avait touché. Il reste le mystique. Pour le mystique, j'ai un bonus de plus 2. L'arme utilisée n'avait pas de bonus mystique, puisque c'était ma hache. Et je viens de faire 16 plus 2, 18, que je compare à la valeur mystique du squelette de 9. C'est bon, j'ai largement dépassé. Donc je lui rajoute un dégât. Mais évidemment, pour chaque dégât que je lui ai ajouté, à cause de son effet spécial, je vais devoir lancer un D20 pour savoir s'il l'évite. Donc si jamais il fait entre 16 et 20, on lui retire une des touches que je lui ai faites. Et en fait, il faut que je fasse pour chaque touche réussie. Donc en espérant que les deux ne soient pas supérieurs à 16, et ça ira très bien. Le premier, il fait 8. Donc celui-là, il ne l'a pas esquivé. Et le deuxième, ce serait bien qu'il ne l'esquive pas non plus. Il fait 6, il ne l'esquive pas. Ça veut dire que je lui ai fait 2 points de dégâts. Et si on regarde la fiche de personnage du squelette, il a 2 points de vie. Donc j'ai éliminé le squelette. D'accord ? J'ai réussi à faire une attaque. Vu que j'avais 2 armes, j'ai réussi à lui faire les 2 points de dégâts nécessaires pour l'éliminer. Quand j'ai éliminé le squelette, bah déjà, hop, je récupère son stand-in et je le dégage du plateau. Il revient dans la boîte, le squelette pourra très bien revenir plus tard dans la partie. Je vais voir si je trouve du loot sur le squelette. Donc du loot, comment on fait? Je vais lancer ici un des 20. Si je fais 20, bah, je vais trouver un équipement. Donc je vais piocher une carte de loot. Et en plus, je vais prendre 100 pièces d'or. Si je fais moins que 20, bah, j'aurai rien trouvé du tout. On fait 11. On n'a rien trouvé du tout sur le squelette. Une fois que c'est fait, on remélange la carte de mon squelette dans le deck de mignon. Donc ça veut dire que mon squelette, il pourra très bien revenir la prochaine fois qu'un mignon arrivera sur le plateau, le même. C'est pour ça que la limite du nombre de monstres et de stand-ins n'est pas importante, puisque on va recycler souvent les cartes et donc ils vont revenir. Donc ça met fin. J'ai fait une attaque et ça met donc fin au tour de mon sorcier qui se retrouve ici débarrassé. Si jamais j'avais fait l'attaque lors de mon premier déplacement, si j'avais eu assez de cases pour le faire, j'aurais quand même terminé mon tour, d'accord? Une attaque termine le tour d'un héros. On considère qu'il était engagé au combat, que ça a duré un petit peu. Donc, si on a des choses à faire avec les actions avant de faire une attaque, c'est mieux de le faire comme ça. Sinon, on va perdre une action. On va reprendre la liste des actions qu'on pouvait faire. On a vu qu'on pouvait se déplacer et qu'on pouvait attaquer. Mais également, donc si je me déplace sur un coffre avec un trésor, je pioche une carte trésor. Si lors de mon déplacement, je place sur une carte piège, comme il y a ici, à ce moment-là, je retourne le jeton piège. Ça m'est déjà arrivé en courte partie. On retourne le jeton piège et on vérifie ce qu'il y a derrière. Ici, c'est l'indication comme quoi il n'y a pas de piège. D'accord? Si la jambe, elle est tranquille. Si jamais, par contre, il y a un piège qui s'est refermé sur la jambe, on pioche une carte piège et on résout son effet. Et ensuite, on remélange dans les cartes pièges. Donc, c'est pareil pour les pièges. On remélange dans le même deck à chaque fois qu'on en a utilisé un. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre dans le tour? J'aurais pu également me déplacer dans une pièce où il y avait une Mystery Chamber. Une Mystery Chamber comme on a ici, bah, on ne sait pas ce que ça va révéler. Donc, faut se méfier et pas forcément y rentrer tout seul. Mais si on devait y rentrer, on fait son mouvement, on rentre dans la pièce et on révèle une Mystery Chamber. Et les Mystery Chamber, c'est un ensemble de pions qu'on verse dans un sac et potentiellement, bah, vous pouvez tomber sur une pièce vide, de l'or ou aussi un champion de niveau 2. Donc les Mystery Chamber, vous pouvez, voilà, trouver ce genre de bonus. En plus, en dessous de la Mystery Chamber, il y a un autre pion, et c'est sûrement une caisse. Donc les caisses, de la même façon, on a un ensemble de caisses, donc on va piocher, et on pourra trouver, bah, ici, on nous demande de piocher une carte de loot, là, de l'or, et ainsi de suite. Et donc ça c'est comme pour le trésor, ça fait une action et c'est associé à un mouvement. Le mouvement qui nous a emmené là où il y a les tokens de caisse ou de Mystery Chamber. Autre particularité,
Vous avez une salle ici qui est une secret room, donc une pièce secrète qu'il faut détecter. À savoir qu'en fait, cette pièce secrète n'existe que si vous la détectez et si vous arrivez à l'ouvrir. Sinon, ça restera une pièce qui sera fermée à jamais pour le donjon. Donc ici, comment ça se passe? Il faut être adjacent à cette pièce, donc sur une des cases qui est adjacent à la pièce en question, et faire un test de sagesse. La valeur de ce test n'est pas connue à l'avance. On va, quand on veut le faire, c'est pareil, on mélange ces différents marqueurs, on en prend un au hasard, et sur ce marqueur, il y a marqué le nombre d'essais et la valeur du test de sagesse qu'on doit faire. Donc selon le personnage, il pourra aussi avoir des bonus en sagesse. Il lancera un des 20, il ajoute son bonus, et s'il fait 12 ou plus, à ce moment-là, il va pouvoir dire qu'il y a effectivement une chambre secrète. Donc il aura 3 essais pour le faire. Je ne sais pas s'il y a moins de 3 essais d'ailleurs sur d'autres choses. Parfois ça pourrait être plus pénible, hein, ça pourrait être du 18 à faire. Si jamais il réussit, donc ça sera une action. Se déplacer et détecter, ça sera une action. Ou détecter uniquement si on n'avait pas besoin de se déplacer, évidemment. Il faudra faire une deuxième action si on veut ouvrir cette chambre. Et si on veut l'ouvrir, il va falloir prendre un marqueur de lock, comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chambre secrète était bien protégée déjà, vous l'avez trouvée, mais elle est verrouillée. Et pour la déverrouiller, on prend un marqueur parmi plusieurs, et on se retrouve avec un petit système à faire de lockpick. Donc on va faire du crochetage, finalement, de la serrure de cette chambre secrète. Alors, comment il est indiqué ce marqueur? On a ici la première valeur qui est le nombre d'essais qu'on a. Et ici, ce qu'on doit faire comme valeur. On prend les 3 dés de couleur, le dé rouge, le dé vert, le dé bleu. Et on aura 3 essais pour faire 5 ou plus en rouge, 5 ou plus en vert et 5 ou plus en bleu. D'accord? C'est 5 ou plus, c'est pas exactement le chiffre. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et petite astuce, c'est que le nombre d'essais, il est augmenté par la capacité de crochetage de votre personnage. Donc ma voleuse, par exemple, qui a plus 2 en crochetage, plus 2 en crochetage, aura, sur ce pion-là, 5 essais pour faire 5, 5, 5, enfin 5 ou plus dans les 3 couleurs. Si jamais on réussit, à ce moment-là, la pièce s'ouvre, on peut rentrer et on découvre ce qu'il y a dans la secret room. Mais c'est qu'une fois qu'on rentre dans la pièce, je pioche une carte comme ça. Et donc, ça contient différentes choses. Si jamais ça ne marche pas, à ce moment-là, le marqueur qui nous a servi à détecter la chambre secrète, on le met du côté locked. Et la pièce restera à jamais fermée pour toute la partie. Puisque les pièces sont mises en place au départ de la partie, et on n'y remet jamais en place. D'accord ? Donc une chambre secrète, potentiellement, elle sera jamais ouverte. On révélera jamais ce qu'il y a dedans. Et donc le crochetage, le fameux crochetage, donc cette action-là, ça correspond à une action. Ça peut être aussi le déplacement et aller crocheter, d'accord? Une fois qu'on sait qu'il y a une chambre secrète qui a été révélée. Dernière chose qu'on va pouvoir faire avec une action, c'est acquérir une compétence. Donc nos aventuriers ont des cartes de compétences et ont des niveaux. Donc l'aventurier, par exemple, je vais prendre mon archer. Ici, pour l'instant, elle est de niveau 1. Ça veut dire qu'elle va pouvoir acquérir des compétences de niveau 1. Elle l'a déjà fait, puisqu'elle a une compétence long shot, qu'elle a réussi à faire. Pour cela, elle doit dépenser une action entière, donc sans se déplacer, elle ne fait que ça. Ça s'appelle l'enlightenment, l'illumination, disons. Elle dépensera 2 points de life force. Donc les life force, ce sont des points que l'on récupère quand on élimine des champions ou des gardiens, qui sont un pool commun entre tous les aventuriers, et qu'on va pouvoir dépenser en dépensant une action dans le donjon. Mais on pourra également dépenser des points de Life Force quand on sera au Celebration Day, donc entre un groupe de quêtes et un autre, pour augmenter le niveau, par contre, là, de ces personnages. Donc les faire passer de niveau 1 au niveau 2, ou niveau 2 en niveau 3. Ici, pour avoir la compétence, il faut que je paye 2 Life Force tokens. Parfois, ce sera 3, parfois, ce sera plus. Et je ne pourrai en prendre que du niveau qui correspond à mon personnage, niveau 1. Une fois que je la récupère, elle est immédiatement disponible. Donc si ma première action, c'est Enlightenment, ma deuxième action, ça pourrait très bien être un long shot sur un ennemi. Ici, ça me permet de tirer sur un ennemi, de lui faire un dégât,
si je fais plus que 3 ou plus. Pour le passage de niveau, lors du Celebration Day, il faut dépenser 4 points de Life Force pour un héros, hein, pour qu'il passe d'un niveau à un autre. Et là, normalement, on a vu l'ensemble des actions, qui sont des actions vraiment payantes par un point d'action. On va avoir d'autres actions possibles qui ne coûtent pas d'action. L'échange entre deux personnages qui sont adjacents ne coûte pas d'action. Albus, par exemple, le chien, peut passer à côté d'un personnage, échanger des équipements, des pièces d'or ou peu importe, et continuer son chemin. On pourra également dépenser, comme on l'a vu, je peux dépenser de l'essence, des points d'essence pour augmenter mon mouvement. Ouvrir une caisse, ça ne nécessite pas d'action, donc quand je rentre dans ma chambre secrète, s'il y a une caisse en dessous, je peux la récupérer tout de suite, sans dépenser d'action supplémentaire. Si jamais il y a un monstre qui est resté au sol parce qu'il a été éliminé à distance, ou que le héros est mort en même temps qu'il a tué le monstre, on peut aller fouiller le monstre pour récupérer la carte de loot, donc lancer le dé et ainsi de suite. Ça ne coûtera pas d'action. Donc les héros comme Albus hein, peuvent se déplacer, échanger des objets et continuer leur mouvement. Ça ne coûte pas du tout d'action et ça ne fait pas arrêter l'action en cours du personnage. Donc ça c'est un truc qui est sympa par rapport à d'autres jeux où cette gestion, cette micro-gestion de se déplacer et être adjacent et hop, terminer son tour, ce qui fait qu'après on fait plus rien, est un peu pénible. Là je trouve que ça fluidifie l'ensemble. Boire une potion ne coûte pas d'action non plus. Je peux en boire à n'importe quel moment, même pendant un combat. Et n'importe quel type de potion. Donc comme je l'ai dit au départ, les potions dépensées sont mises de côté. Elles ne sont pas accessibles à nouveau dans le bazar du village. Donc je ne peux pas envoyer à nouveau Albus chercher la potion que je viens de consommer, parce qu'elle n'y sera pas. Donc on est limité en nombre de chaque type de potion en fonction de la difficulté du scénario. Et enfin, allumer une torche est également gratuit. Vous avez des torches. Quand vous les prenez au départ, elles sont éteintes. Si vous n'êtes pas obligé de les allumer en rentrant dans le donjon, puisque c'est pour gagner des points de mouvement, vous pouvez peut-être les allumer que au moment où vous en avez besoin. Donc allumer la torche est gratuit, ça ne coûte pas une action, heureusement. Sinon ça va faire perdre un peu trop de temps. Une action qu'on n'a pas vue également, c'est aller miner, aller récupérer de la caillasse dans les petits points de mine qui sont sur le plateau. Donc les points de mine, j'en ai découvert. Donc là il y a un site, c'est le site A, qui a été découvert. Comment est-ce que je l'ai découvert? Quand je passe à côté d'un site qui est comme ça, non exploré, unexplored, que je peux être adjacent et passer en marchant à côté. J'ai le droit, c'est une action gratuite, de révéler le site. D'accord? Ça, c'est gratuit. Révéler un site, c'est gratuit. Donc ça peut être un site, comme ça peut être, ceci n'est pas un mining site. Donc je ne pourrais pas récupérer des pierres ici. À ce moment-là, je retire le marqueur du jeu. Sinon, je le laisse pour indiquer quel est le site que je peux faire. Pour une action, je peux, si mon personnage a une pioche, essayer de récupérer du minerai. Comment ça se passe? Donc c'est l'action qui consiste à miner, hein, pas à révéler, mais à miner. Révéler, c'est gratuit. Par contre, taper la caillasse, c'est payant. Donc je peux le faire dans la même action, hein. Je peux m'approcher, révéler et miner en étant adjacent ou sur la tuile, ou sur le pion. Et bien on lance un des trois. Et ça va nous donner le nombre de cartes du point de mine en question, donc du point A, qu'on va pouvoir piocher. Donc si je tombe sur 2, je peux piocher 2 cartes de mon site A. Et les 4 sites, il y a A, B, C, D, c'est ici. D'accord? C'est A, B, C, D. Normalement, il y a des lettres, mais on ne les voit pas sur le plateau. Donc ça, ce sera l'action pour récupérer du minerai. Et le minerai, il est sous cette forme-là. Ça nous donnera différents types de pierres. Ici, jade, sultanite, sunstone. À quoi ça sert, ces pierres? Eh bien, dans le village, vous avez possibilité de faire fabriquer des pierres par le forgeron, des gemmes de pouvoir, que l'on pourra associer à des armes. Vous voyez qu'ici, ça c'est mon type d'arme, et ici j'ai un slot rond. Donc ça veut dire que si je fais construire une gemme de pouvoir ronde dans le village, je vais pouvoir l'associer à mon arme ici. Donc par exemple, une gemme de pouvoir, ici ça nécessite 2, donc x2, sunstone, plus les deux pierres qui sont ici. Et si je le fais, je vais pouvoir l'insérer dans mon arme. Donc là je la mettrai comme ça, et elle me fera gagner plus 4, c'est en combat spirituel, donc plus 4, plus le 1 que j'ai ici. Plus 5. Donc mon arme deviendra une arme plus 5 sur ce type de combat. Donc c'est quand même bien sympathique.
Et c'est à ça que ça sert de miner de récupérer du minerai. Et vous avez différentes combinaisons que l'on peut faire, et différentes pierres de différents niveaux. D'accord, je peux très bien avoir à dépenser. Ici, on a une. Donc, il y a les petites pierres de base qui sont sur chaque côté et une jade. Et à ce moment-là, on créera 1 plus 2 en combat à distance. Non, en combat arcane, par exemple. Donc, voilà, c'est ce petit système en plus qui vient, qui n'est pas compliqué à comprendre et qui vient rajouter une petite couche de trucs sympas où on ne va pas chercher que à avoir des super armes, mais on va pouvoir les améliorer. Donc, sans qu'on ait besoin de passer de niveau ou quoi que ce soit. On pourra même demander à Albus, d'ailleurs Albus il a sur lui, parce que c'est pas limité en quantité, un petit paquet de pierres là pour l'instant. Donc il a l'obsidiane, il a différentes choses. Et l'envoyer au chez le forgeron, donc au village, donc il faudra qu'il sorte du donjon évidemment, avec ses mouvements, parce que Albus il a aussi deux actions comme les autres, et il avance avec un D6 plus 6. Et pour aller chercher, emmener des pierres chez le forgeron et récupérer des Power Gems. Que nous pourrons associer à des armes. Et c'est pareil, l'association d'une Power Gem donc d'une gemme de puissance à une arme ne coûte pas d'action. D'accord? Donc la seule action là dont on a discuté, c'est celle qui consistait à miner, à récupérer du minerai, à lancer le dé pour savoir combien de cartes on prenait. Donc c'est l'action de piocher et de récupérer quelque chose. Donc voilà pour les actions des personnages, je crois qu'on a fait le tour. Et on va pouvoir passer à mes autres personnages, que j'ai commencé mon tour de jeu avec le sorcier, donc on va faire le reste du tour de jeu avant de passer à la phase des monstres. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, vous l'avez vu sur l'exemple de. J'en ai parlé quand j'ai parlé de l'ordre d'activation des personnages, mais c'est ce qui permet de former une équipe avec d'autres héros, puisque on a mis à chaque héros un marqueur d'initiative. Chaque héros agit l'un après l'autre. Comment est-ce que je vais faire attaquer trois personnages en même temps contre un gros monstre qui nécessite d'être à plusieurs? Deux personnages d'ailleurs. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler le ralliement. Comment ça se passe? Je vais faire un exemple sans le. Je ne vais pas en avoir besoin sur ma partie tout de suite. On va le faire avec nos amis ici qui sont déjà dans une chamber. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir d'ici. Comme ça, je ne vais pas l'oublier. Et on va prendre un monstre, donc je vais maintenant prendre un token. C'est ce qu'il y avait tout à l'heure quand je l'ai fait. Voilà, admettons que mes deux héros ils sont là et j'ai une chamber à les visiter. Je sais que je dois aller récupérer quelque chose dedans ou que je dois aller tuer un monstre qui se trouve à l'intérieur. Et je sais pas ce que c'est comme monstre. Et potentiellement ça peut être très dangereux parce que les champions sont quand même plus dangereux que les minions comme celui que j'ai détruit tout à l'heure. À ce moment-là, je vais faire appel à un ou deux héros supplémentaires en plus du héros qui veut rentrer dans cette chambre. Donc, admettons que mon paladin qui est ici veuille rentrer ici et se dit, bah tiens, on va récupérer du monde pour faire l'attaque. Il va faire appel à ma voleuse qui se trouve ici. Comment ça se passe? Bah, comme pour une attaque normale ou comme pour un déplacement normal, il va lancer son D6 pour se déplacer et admettons qu'il puisse rentrer dans la pièce, il arrive ici. Donc, il a ouvert la porte, il est rentré. À ce moment-là, son marqueur d'initiative, il le tourne du côté rally. Donc il appelle au ralliement. Il dépense un point d'essence, parce que rallier les autres va vous faire dépenser de l'essence. Donc un point d'essence. Ensuite, il peut rallier uniquement des personnages qui sont après lui en termes d'initiative et consécutifs. Ça veut dire que le marqueur suivant, le personnage qui pourra rallier, c'est forcément celui qui est après et encore celui qui est après. Mais pas un qui est deux marqueurs d'initiative plus loin. Donc là, ici, lui, il avait le marqueur. 5 par exemple, il ne peut rallier que la personne qui est en 6. Et la personne qui est en 6, c'est ma voleuse. C'est bien fait, parce que c'était prévu par exemple dans ma séquence de jeu. C'est pour ça que l'ordre est important quand on fait la séquence dans l'upkeep. Le personnage qui est rallié tourne son marqueur côté rallye aussi, et peut faire ces deux actions de mouvement pour rejoindre le paladin. Donc là, il n'y aurait besoin que d'une seule, hein, je pense. À ce moment-là, les deux héros dont j'ai besoin sont dans la pièce. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on retourne le marqueur pour voir qu'on a un monstre de niveau 1. Et à ce moment-là, on tire un champion de niveau 1 qu'on va combattre. Le combat, qui est obligatoire,
pour les deux personnages, c'est-à-dire que je n'ai pas un personnage qui pourra combattre et l'autre ne rien faire, ils seront forcément les deux engagés dans le combat, donc ils feront au minimum une action dans le combat chacun. Et puis l'un des deux qui fera une défense ou une attaque supplémentaire. Mais ils seront obligés de participer au combat contre le champion. Donc on révélera le champion et on verra ce qu'on fait, si on combat, si on s'évade ou quoi que ce soit. Donc là ici j'ai rallié qu'un seul personnage, mais je pourrais en rallier un deuxième. Pour ça il a fallu que j'ai un numéro 7 dans ma séquence, ce qui est impossible ici évidemment. Donc ça c'est l'action de rallier qui permet de combattre à plusieurs un champion. Cette action de rallier est valable pour combattre des minions, mais également pour combattre des gardiens. Alors les minions, normalement, c'est pas forcément nécessaire, mais si vous voulez absolument empêcher un minion qui a 2 points de vie de sortir du donjon, ça peut être une sorte de sécurité. Évidemment, une fois que les deux ont fait le combat, que ce soit contre un minion, donc un seul round, un gardien, un seul round également, ou un champion, plusieurs rounds jusqu'à ce que les héros soient partis de la salle, ou que le champion soit mort, ou que les héros soient morts, à ce moment-là, leur tour est terminé. D'accord, ils ont fait l'action de ralliement, ils ont fait le combat, les actions sont terminées. Donc le tour de la personne qu'on a ralliée n'aura pas lieu, puisqu'il a eu lieu dans le tour de celui qui vient de jouer. Donc voilà l'action de ralliement qui est super importante dans le jeu, puisque pour combattre des champions et des gardiens, c'est ce qui permet de leur faire des dégâts plus rapidement, puisqu'on a vu tout à l'heure que plus on attaquerait, plus on aurait d'armes pour attaquer, et plus on aurait de chance donc, pour faire correspondre les types de combats des minions, des champions ou des gardiens à nos types de combats pour avoir le maximum de bonus, et ben il faut avoir le maximum de personnes et essayer de choisir des combattants qui se complètent en termes de types de combat. On va essayer d'avoir le maximum de types de combat avec des bonus pour être sûr de pouvoir, quand on va attaquer, de faire le maximum de dégâts pour à chaque round de combat. Puisqu'au maximum on pourra faire 3 dégâts, enfin 3 dégâts quand on a des armes de base comme les miennes. Donc le nombre de dégâts qu'on fait sur un monstre, tout à l'heure je l'ai fait comme si c'était naturel, mais c'est ce qui est indiqué ici, d'accord. L'épée ici, elle fait un dégât. Donc il y aura sûrement des armes plus tard. J'en ai récupéré qui sont pas encore de mon niveau, mais... j'en ai une, il y en a une qui est ici, donc c'est une arme légendaire. Voilà une arme légendaire, qui elle fait 3 de dégâts. Donc elle donne plus 4 en type de combat chaotique, et elle fait 3 dégâts quand elle touche. Donc là, ça commence à devenir sympathique. Mais on remarque tout de suite, c'est que cette arme est valable pour les guerriers, les héros de niveau 3. Donc je peux pas, même si je l'achète, même si je la récupère dans un loot, je ne peux pas encore l'utiliser. Donc mes héros n'ont pas le bon niveau. Après mon sorcier, normalement, on devait faire le barbare. Donc le barbare. Donc lui, on voulait l'emmener plus loin. Alors soit ça, soit le faire combattre l'orc, qui est plus proche. Parce que ici j'ai quand même deux Blading Minions dont je ne m'occupe pas du tout. Et ça c'est peut-être inquiétant. Ici là, ces deux-là ils vont sortir du donjon. Donc s'ils sortent du donjon, avec la sortie qui est juste ici, c'est pas bon. Le loup, et je crois qu'ils ont. Ils ont tous les deux 2 points de vie. Donc pour faire 4 dégâts, il faudrait peut-être s'en occuper. Donc je vais peut-être envoyer mon barbare finalement sur un des deux. Plutôt que d'aller chercher le gobelin là-bas. Donc je vais lancer mon barbare à l'assaut de l'orc Siegebreaker, qui se trouve ici, qui est en raiding, pour éviter qu'il sorte du village. Normalement il avance pas vite, il fait un D6 plus 2, donc il va peut-être pas forcément sortir tout de suite, mais ce serait pas mal que je puisse le tataner un peu. Donc je fais avancer mon barbare, donc je vais jeter un dé, je fais un 6, et mon barbare a lui aussi... 1d6 plus 2 en déplacement. Donc 1d6 plus 2. Il sort de la pièce, donc il arrive ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux me mettre ici. Je pourrais m'arrêter là ou là. Je peux me mettre ici, c'est pas un problème. Et je fais mon action d'attaque. Donc là, c'est ma première... pas surprise partie, mais c'est ma première action, mais ce sera la dernière, je vais faire une attaque. Donc ça mettra fin mon tour après l'attaque. Donc mon barbare, pour vous donner un peu ce qu'il a, il a ces compétences-là, il a plus 3 sur les armes chaotiques. En plus, il a... Donc l'âche, elle ne fait pas de bonus sur les combats chaotiques, mais par contre, il a des bracelets, là, qui font plus 2.
Donc il aura déjà plus 5 en armes chaotiques. Après, il a plus 2 sur le combat physique, donc le rouge, et 0 sur les armes, sur ces armes-là. Et il a aussi une deuxième arme, qui est une sword, qui a plus 1 en combat physique, qui fait 1 dégât. Mais c'est pas tout, il a le cri intimidant. Donc si je veux, avant de lancer les dés pour le combat, je peux dépenser un point d'essence, et je ne tourne pas ma carte, parce que j'ai une petite flèche verte, donc je garde ma carte comme ça, elle est pas... On l'exhauste pas cette carte là, et ça me permet en dépensant d'un point d'essence de faire baisser une des valeurs du monstre de 2. Donc par exemple sur mon dé le plus faible ou sur le là où je vais me défendre pour éviter de prendre des dégâts par exemple, donc sur le mystique par exemple. Alors le Horde Shieldbreaker qui a donc son pion reading dessus, et c'est également un élite, mais lui sa compétence ne concerne pas le combat, uniquement le fait que quand il fait un raid sur le village. Donc, quand il rentre dans le village, il lance un des 20, et s'il fait entre 16 et 20, il ajoute 1 au niveau de terreur, en plus de ce qu'il fait d'habitude. Donc ici, les types de combat, ils sont indiqués là. Je vais prendre le rouge, le noir et le mystique, qui est le violet. C'est là. Donc tout à l'heure, je vous ai fait voir que on pouvait mélanger les pions. Moi, je fais une autre technique. Histoire de ne pas avoir à mélanger les pions, et je trouve que ça marche pas mal. C'est la technique du lancer de dés. Donc moi je prends les 3D12 qui correspondent aux 3 types de combat. Je les lance et je range les pions dans l'ordre où c'est indiqué ici. Par ordre croissant, donc c'est violet, noir, rouge, 3, 6, 8. Violet, noir, rouge. Donc violet, noir et rouge à la fin. Voilà. Comme ça m'évite de mélanger mes pions. Et j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus aléatoire. Donc maintenant que c'est comme ça, il faut que je regarde le barbare ce qu'il va faire. Donc sur le noir, on est sûr qu'il va attaquer. Donc il va attaquer en phase 2 avec sa hache. Et il va attaquer en phase rouge, puisqu'il a une épée qui lui donne un bonus. Et en plus, il a un bonus déjà de plus 2. Donc il a un plus 3 en phase sur du type de combat physique, qui est le rouge. Donc le phase 3 en attaque aussi. Donc je vais pouvoir faire 2 dégâts au maximum. Et en phase 1, par contre en mystique, je vais être en défense. Donc je mets ce pion-là sur ce côté-là, sur mon personnage. Donc la défense n'est pas vraiment une action tactique. C'est plus là, c'est le défaut d'attaque. C'est-à-dire si j'ai qu'une arme, je ne peux faire qu'une seule attaque. Donc je pourrais mettre qu'une. Si j'avais qu'une arme, si j'avais qu'une que l'arme là, que la hache, je ne pourrais pas faire l'attaque. Ici, je serais obligé de me mettre en défense. Donc la défense, c'est plus la posture de non-attaque qu'autre chose. Il n'y a pas d'avantage à être en défense. Ce n'est pas un choix tactique, la défense, c'est un choix par défaut quand on ne peut rien faire d'autre. Peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir faire parfois de la défense et que ça rapporte un bonus, par exemple sur le dé, pour dire, bon, on est en défense, dans nos postures de défense, on a un petit bonus de défense. Mais, bon, ce n'est pas le cas. Donc ensuite, je prends les dés pour faire le lancer. Puisque je n'ai pas de bonus sur le violet, je vais utiliser un point d'essence. Donc j'utilise un point d'essence, hop, je passe de 6 à 5, pour activer mon cri intimidant. D'ailleurs, il ne faut pas que je dépense un essence, c'est... Si, c'est un essence. C'est ce qui est marqué ici. Et à ce moment-là, je sélectionne un des types de combat, et il aura moins 2. Donc je sélectionne le violet, sur lequel il aura moins 2. Alors évidemment, vu que c'est une lancée de toute façon, ça peut très bien tourner à la catastrophe. Hein. Donc on a quoi? On a 12 en noir, 9 en violet et 14 en rouge. Donc comment ça se passe? Le violet, 5 plus 4, 9. J'ai pas de bonus sur mon barbare, il y a 0 en bonus. Et je devais faire 10. Mais grâce à la compétence de mon barbare qui a fait son cri, comment ils appellent ça, intimidant, ça a fait baisser la valeur en mystique, donc je vais faire que 8, 10 moins 2, 8. Donc ça veut dire que mon jet passe et que je ne prends pas de dégâts sur le combat mystique, sinon j'aurais pris un dégât. Donc ça c'est bon, j'ai pas pris de dégâts sur le combat mystique. Ensuite en noir, 10 plus 2, 12. Bah, de toute façon je vais même pas regarder mes bonus, puisque mes bonus, j'ai quoi, j'ai plus 5, et il fallait que je fasse 11. En combat chaotique. Donc je lui mets un point de dégâts sur l'orque.
Et enfin, en rouge, où je fais aussi de l'attaque, j'ai 12 et 2, 14. Il fallait que je fasse au minimum 11. Et en plus, j'ai un bonus de plus 1 et de plus 2, donc j'ai plus 3 en bonus. Donc, j'atteins largement les 11 ou plus. Et je refais un deuxième dégât. L'orque a 2 points de vie. J'élimine l'orque. Comme on a vu tout à l'heure pour le squelette, il faut que je lance un D20 pour savoir si je loot quelque chose sur cet orque. Donc on lance le D20. Et on fait un super 5. Donc pas de loot non plus sur lui. Mais c'est vrai que c'est pas là le plus important, le loot sur les minions, parce que ce que ça empêche surtout, c'est que il continue sa route vers la sortie. Donc là, je remélange la carte du minion dans son tas de minions. Et on supprime celui-ci, qu'on vient d'éliminer. Et même si c'était la première action de mon barbare, je le répète, c'est une attaque, donc ça met fin à mon tour. Si par exemple j'avais eu sur la route de mon barbare, il y avait eu... non, pas une mine, parce que mon barbare n'a pas de... C'est étonnant, il n'a pas de pioche. Mais s'il y avait eu un coffre au trésor, il aurait pu faire sa première action sur le coffre au trésor, récupérer un trésor, et faire sa deuxième action pour aller se déplacer et faire son attaque. D'accord ? C'est là qu'il faut voir si parfois on a des choses à faire avant de faire une attaque. Ça peut être intéressant. Alors, il faut se méfier quand même des trésors. Parfois, ils sont pas tout le temps sympathiques, les trésors. Donc, si ça vous freine et que ça vous empêche de faire votre attaque, vous prenez le risque. Donc, mon barbare a joué. Et mon barbare a joué, c'était le deuxième à jouer. Donc, ce marqueur. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends les marqueurs d'initiative et je les mets de côté, côté rally, quand j'ai utilisé les actions de mes personnages. Ça me permet de faire un suivi assez facile. La suivante dans l'ordre du tour, c'est mon archer. Alors l'archer, elle est... Ah bah si, elle est là, vous la voyez ou pas? Non, vous la voyez pas. Ah non, mon archer, elle est ici. Vous la voyez. Alors l'archer, je vais essayer de lui faire tirer sur le loup. C'est une action spéciale, c'est sa capacité spéciale, donc je peux l'utiliser qu'une seule fois. Et ça permettra de faire un point de dégâts au loup au mieux, qui a 2 points de vie. Est-ce que je veux faire attaquer le loup avec l'archer? Je suis pas sûr... Le loup, si j'observe le loup qui est en raiding, donc lui qui va aussi s'enfuir. Le loup, il est balèze en arcane, en spirituel et en chaotique. Alors, arcane, j'ai moins 2, spirituel 0 et chaotique 0. Donc je suis pas la mieux foutue pour le combattre, le loup. Surtout que lui, il peut augmenter ses valeurs de combat quand il est un loup type élite. Et il peut augmenter ses valeurs de combat quand s'il fait entre 16 et 20 sur un lancer de D20. Je vais essayer de lui faire un dégât et de partir rejoindre mes compagnons dans d'autres salles. Parce que l'archer, c'est pas celle qui fera le plus de dégâts au loup. Donc ça sert à rien que je perde trop de temps. Donc ce que je fais, est-ce que je peux déjà utiliser ça? Il faut que je sois à 4 pour l'utiliser et en ligne de vue. Alors là, c'est un petit truc que je ne sais pas dans le jeu. Il y a vous voyez qu'ici, il y a un pilier. Mais je ne sais pas s'il compte, si je vois quand même. Alors, en principe, la ligne de vue, on prend n'importe quel point de la case et il faut qu'on puisse toucher la case du monstre. Et là, je pense que ça a lieu. Donc je pense pas que ça dérange le pilier, en fait, sur les lignes de vue. Je pense que de toute façon, j'aurai un endroit où je peux passer. Et je suis à 1, 2, 3, 4. Enfin, même 1, 2, 3... Donc je peux utiliser ma compétence avant de faire mes deux actions. Pour utiliser ma compétence, l'archer va dépenser 2 points d'essence. Donc la fiche de l'archer qui est ici, on dégage de 2, tac, il n'y a plus qu'à 3. Et on va lancer un des 6. Alors j'utilise toujours le dé bleu, ça me porte malheur depuis le début, mais tant pis. C'est le dé qui correspond au type de combat à distance. Donc j'ai ça. Pour l'instant, j'ai fait 3 tirs. J'ai fait 2, 2, 1. On va assister en direct au quatrième tir, au quatrième long shot de l'archer, qui pour l'instant a tout raté. Donc faut faire 3 ou plus, et ça suffira pour faire un point de dégâts au loup. Non, c'est le quatrième. Et je fais jamais plus que 1 ou 2. Donc là, j'ai fait 2 fois le 1 et 2 fois le 2, c'est bon, je suis bien là. Donc l'archer a encore raté son long shot, mais a quand même dépensé son essence. C'est formidable, c'est formidable. Mais limite,
Limite, ça fait rire. On est sur de l'aléatoire, mais ça me fait marrer ces situations-là où elle rate tout. Tous ses long shots sont ratés. Donc, du coup, elle n'a servi à rien. Et là, par contre, c'est un peu embêtant. Ouais. C'est un peu embêtant quand même. Je suis pas sûr que le loup, on puisse le garder longtemps dans le donjon. 4. Donc là, j'ai fait 4 avec le dé. L'archer se déplace d'un des 6 plus 3. C'est marqué sur sa fiche. 1 des 6 plus 3 en déplacement. Donc 4 plus 3, 7. Et vu qu'elle porte une torche allumée, elle a plus 2. Donc j'ai 9 points de mouvement. Donc on va aller rejoindre 7, 8, 9. C'est mon archer qui est ici. Et sa deuxième action, ça va être quoi? Alors faut faire gaffe parce qu'ici le gobelin, s'il nous voit, il va passer en raiding. On n'a pas envie qu'il passe en raiding, le gobelin, tout de suite. 2. Je me déplace en haut, 3 et 2, 5, 5 et 2, 7. Je peux me déplacer de 7. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais m'arrêter là. Donc, l'archer, elle reste ici. Elle est pas passée sur le piège. Elle va rester ici. Ah, d'ailleurs, vous l'avez même pas vu passer l'archer, ça. Voilà, donc pour le tour de l'archer, ce sera tout. Vous voyez que j'ai pas fait un grand tour, pas un grand tour fantastique avec mon archer, surtout après son long shot. Elle me plante bien mes plans, l'archer. Ensuite, on va passer à la prêtresse. Alors la prêtresse, il y a deux choses que je dois faire. J'ai dans ma réserve de Life Force Token, j'ai 2 points. Et j'aurais bien voulu faire un sort de soin sur ma prêtresse. Sauf que, vu comment ça s'est passé avec le loup. Voilà, la claire, elle est. Je dis ma prêtresse, mais c'est une claire. Qui se trouve ici. Elle se trouve ici. J'irais bien l'emmener. Est-ce qu'elle peut, contre le loup, faire quelque chose? Noir, orange et vert. Noir, orange. Et vert, oui, elle pourrait combattre le loup. Donc je vais emmener ma prêtresse, je vais voir son premier mouvement. Je vais faire un premier mouvement, 3 plus 2, 5, et elle a une torche. Je vais voir la prêtresse, enfin la claire, cleric. Donc 3 plus 2, 5 et 2, 7. Elle peut faire 7 en mouvement. Le loup, il a 2 points de vie, donc il faut que je fasse au moins 2 attaques sur lui. Si jamais je le laisse partir, le loup. Le loup, enfin les raiding minions, quand ils sortent du donjon, ou même quand ils se déplacent, et les minions normaux aussi, hein, quand ils sont sur leur chemin de patrouille, enfin normalement quand ils vous croisent, ils passent en raiding minion tout de suite, mais dès qu'ils passent à côté de vous, quand ils sont adjacents, ils font une attaque. Mais ils en font qu'une dans le round. Donc même s'ils passent à côté de deux personnages, ou trois ou quatre personnages, ils n'en feront qu'une. Et ils continueront à courir vers la sortie. Ce qui fait que si je mets mon. Là, le loup, potentiellement, il va faire. Lui, il va se déplacer comme ça. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les 10, il peut les faire s'il fait 5 ou 6 sur le dé. Donc, c'est possible qu'il le fasse. Donc, si je l'attaque avant, je lui ferai au moins 1 point de dégâts. Mais c'est pas sûr qu'il attaque ma prêtresse. Pourquoi? Parce que le loup, il a une priorité de type qui est C1, C2 et C3. Ma prêtresse est C3 et mon barbare est C1. Donc en fait, mon barbare a plus de mal à lui faire des dégâts au loup. Ce qui veut dire que quand il va partir, il n'attaquera pas ma prêtresse, mais il va attaquer mon barbare. Puisqu'on regarde son déplacement, et c'est pas parce qu'il va croiser ma prêtresse là en premier qu'il va l'attaquer, il va attaquer sur son chemin celui pour lequel il a une priorité. Donc ce sera mon barbare sur ce coup-là. Donc si je peux pas compter sur ma prêtresse pour l'intercepter et lui faire des dégâts. Et en plus, en contre-attaque, on peut faire qu'un seul dégât. Donc, ça n'empêchera pas de partir. Donc, je vais continuer à avancer ma prêtresse pour faire un combat, pour essayer de lui faire mal sur un combat, de le tuer en un combat. Allez, c'est parti. Donc, j'avance et j'augmente pas, du coup, j'augmente pas, je fais pas un enlightenment sur ma prêtresse pour gagner une compétence. J'ai fait 6, donc 6 plus 2, 8 et 2, 10, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je peux faire le combat contre le loup. Donc, on va repasser en mode combat contre le loup. Donc, les types de combat,
Vert, orange, noir. Donc, arcane, spirituel, chaotique. Alors, on a du spirituel d'abord, du chaotique ensuite, et du arcane à la fin. Alors, ma prêtresse, ma claire, je sais pas si vous dites claire ou prêtresse, en spirituel est pas mal du tout, en arcane aussi, et en chaotique pas trop. Donc, on va sûrement d'abord taper, on va sûrement se défendre en chaotique et attaquer sur les deux autres. Est-ce que j'ai deux armes par contre? Alors, oui, j'ai bien deux armes. Elles sont bien sur les bons types de combat, mais elles font zéro, hein, celles-là. Elles ajoutent aucun bonus. Par contre, j'ai une médaille qui me donne un petit bonus en spirituel. Ouh. C'est horrible. Je viens de voir ce qui s'est passé. Oui, aïe, 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 aïe. Très mauvais jet. Très mauvais jet. Alors, Ça c'est donc, pas. ouh. En orange, j'ai 6 plus 4, 10. Et j'ai un bonus de plus 1 plus 4. Donc 14. En orange, il fallait faire 9 au moins. Donc ça veut dire que je fais un dégât. Et par contre, de toute façon, je me suis trompé. Avant de lancer les dés de combat, je devais lancer un des 20 pour savoir s'il avait plus 3 sur toutes ses valeurs de combat. Donc plus 3 ici. Du coup, je vais le faire maintenant. Non, je fais 2, donc ça ne change rien aux valeurs de combat. Donc ici, je lui ai fait un premier dégât sur le orange. Sur le noir, je fais 6 plus 1, 7. J'ai moins 2, ça fait 5. Et il fallait que je fasse 10, donc je prends un dégât. Donc là, la cléric, elle prend un dégât. Hop. Vous avez remarqué que je ne sais pas, vous n'avez pas dû remarquer. Normalement, les petits marqueurs pour les points de dégâts et d'essence, c'est ça. Mais ça fait des petits. Ça gondole un peu les cartes. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans des reliures en plastique des petits trucs comme ça. Ça tient bien et ça abîme beaucoup moins le carton et c'est plus discret d'ailleurs. Je trouve que le papier reste plus. La fiche de personnage reste bien droite. C'est un peu plus discret, c'est assez sympa. Et on voit toujours ce qu'on a comme dégâts. Donc voilà, c'était la petite parenthèse bricolage du jour. Donc j'ai un point de moins, ça c'est fait. Et ici j'ai fait un formidable 3 auquel je peux ajouter mon bonus de plus 1, ça fait plus 2. Et donc forcément c'est pas assez. Et donc je prends aussi les dégâts. C'est pas parce que j'étais en attaque que je ne prends pas de dégâts. Si je rate mon attaque, je prends un dégât aussi. Donc c'était un point de dégâts également. Et je tombe à 5. Et là, le round s'arrête. Ça veut dire que le loup, j'ai bien fait prendre son dégât, hein, par contre, il n'y a pas de souci. Mais il est toujours en raiding et il pourra toujours s'échapper au tour prochain. Et même si. La seule chance que je risque d'avoir, que je peux avoir, c'est si au tour prochain, j'arrive à l'intercepter et à ce qu'il m'attaque. Et que j'arrive à faire une contre-attaque réussie, je pourrais lui faire un deuxième point de dégâts, et à ce moment-là, il sera éliminé avant de pouvoir sortir du donjon. Mais là, par contre, je n'ai plus mon destin en main, comme on dit dans le monde du football. C'est-à-dire que ça va dépendre d'un coup de bol, je pense. Parce qu'il va aller attaquer mon barbare. Donc le loup, normalement, en raiding, il va prendre le chemin le plus court pour passer par la flèche rouge. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même distance. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ce sera la même distance en tous les cas. Donc de toute façon, je peux lui faire prendre la route dans laquelle il va faire l'attaque sur le barbare, qui est sa cible prioritaire. Si jamais j'avais dû faire une case de plus pour le barbare, je pense que je l'aurais fait prendre la route de la clérique, du clerc, parce que il prend la route la plus courte et il tapera celui qui sera sur sa route. Un monstre ne fera jamais d'écart de son chemin pour attaquer un héros. Il va attaquer quelqu'un qui est sur son chemin, mais jamais, il fera jamais plus de mouvements pour l'attaquer. Pour les raiding minions, pour les minions. Donc bref, mon loup a pris un dégât, mais il n'est pas mort. Et le tour de ma cléric est passé. Et maintenant, c'est mon paladin. Il est juste ici. Donc première chose, un déplacement. Donc lui, il n'a pas de torche, il fait 3, il a plus 2. 5, donc il sort 1,
2, 3, 4, 5. Elle n'a pas été très loin. Et son deuxième déplacement. J'ai pas encore fait jouer Albus d'ailleurs. Albus, qu'est-ce que je voulais lui faire faire? Ah, il a des pierres, il faudrait qu'il en récupère d'autres. Auprès de la voleuse. Ah bah je vais le faire avec la voleuse alors après. Et mon paladin, il avance toujours à petits pas. 2 plus 2, 4. On va pas aller bien loin. 1, 2, 3, 4. Voilà, le paladin tranquillement en train de se balader dans le donjon. Il a fait ses deux actions. On est content. Ensuite, en 6, c'est ma voleuse. Donc ma voleuse, elle a des pierres sur elle. Elle va les passer à Albus en passant à côté de lui. D'accord, j'ai trois pierres, je vais les laisser à Albus. Comme ça, après, je pourrai le faire partir. Puisque je peux l'activer, il a deux actions aussi, Albus. À la fin du tour de ma voleuse, pendant le tour de ma voleuse, je peux le faire dépasser à Albus. Et lui donner les pierres, comme ça on va peut-être pouvoir essayer de récupérer des améliorations pour les armes. Et peut-être des potions d'essence aussi. Donc la voleuse elle se déplace, elle va suivre le paladin un petit peu. Il faudrait qu'on puisse aller ici, je peux pas passer, hein. Il y a un mur. Hein. Sinon je serais bien allé dans cette pièce-là, mais il y a un mur. C'est un double mur, je pense. Donc il faut faire le tour. Parce qu'on a quelqu'un qui nous a dit d'aller visiter aussi une Mystery Chamber. C'est une quête, c'est la fameuse. C'est une tâche de taverne, là, la mission de taverne. Et donc, si on rentre dans une Mystery Chamber, et ben, on gagnera 500 gold et 6 points de Life Force. Donc, c'est quand même pour une Mystery Chamber, je trouve ça plutôt sympa. Pour qu'on puisse prouver notre courage et récupérer plein de thunes. Donc, allez, ma voleuse, elle fait 5. Alors, ma voleuse est quand même pas mal, c'est qu'elle fait 5 plus 4, 9 en déplacement. 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on est content. Et refait un deuxième déplacement. Ah, 3 plus 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, ce sont des quêtes, mais des quêtes de niveau supérieur. Donc j'y vais pas, parce que les monstres, ça peut être du niveau 2 ou du niveau 3. Donc je ne vais pas y aller tout de suite. Donc j'ai fait toutes mes actions de tous mes personnages. On va pouvoir passer à la dernière phase du tour de jeu, parce que je vois qu'il y en a qui commencent à bâiller. La dernière phase du tour de jeu, qui est la phase des minions, enfin la phase des monstres plutôt, pas la phase des minions, la phase des monstres. La première chose que l'on fait dans la phase des monstres, c'est de vérifier le niveau de population des minions. Donc pour ça, on va les vérifier. Et ici, vous avez, par rapport au niveau de difficulté choisi au départ, le nombre de minions qu'il doit y avoir dans le donjon au moment de la phase des monstres. Or, je n'ai plus que, on le voit ici, 3 minions. J'ai un gardien, mais j'ai que 3 minions. Ça veut dire que je vais devoir faire apparaître 2 nouveaux minions piochés dans le tas des minions de niveau 1. Le premier, c'est un archer orc de type élite et un Skeletal Grunt de type élite également. Bah, c'est le même que tout à l'heure, mais en vert. Donc, vous voyez qu'ici, ça nous indique rouge, vert, c'est pour la couleur des standees, pour les reconnaître. Comment est-ce que je les place? Sur le plateau. Vous avez autour du plateau des spawn points. On voit ici, le numéro 2 qui est ici, le 3 qui est un peu plus à gauche, le 1 qui part, ça fait comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait le tour. Donc, on lance un D8 pour chaque minion qui vient d'arriver. Le D8. Donc, le premier, notre archer, il fait un 6. Donc on le place en 6. Le 6, il est. Ah, ça tombe bien, il est au niveau du gardien qui est là-bas. Le 6, c'est donc, je ne sais pas si vous le voyez, mon petit marqueur. Le gardien qui est ici, il est sur le spawn point 6. Quand c'est comme ça, on place en adjacent le minion. Et quand il se déplacera, il fera un mouvement de plus. Enfin, il fera une case pour aller sur l'endroit où il doit changer de chemin. Donc lui, il sera ici, par exemple. Hop, archer. Et pour le squelette, ah, il avance en 6 aussi. Donc, et on se bousculait. On va le mettre adjacent aussi. Donc là, c'est le gardien qui a fait appel à ses troupes, on va dire. Donc j'ai mes deux. On va revenir sur mes monstres. J'ai
les deux monstres qui sont arrivés. Donc je vais mettre l'archer ici. Je fais les routes de 5 cartes. Et voilà, ici, c'est tous les monstres qui sont sur le plateau. Donc comment ça va se passer? Ben, c'est très simple. Maintenant que j'ai mis la population au bon niveau, donc je suis à 5. 5 millions. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les activer un par un. En commençant par le Blackwood Prowler, le Shadow Servant. Ensuite, on fera le gardien, le Goblin Footman, l'Orc Archer, le Skeletal Grunt. Une fois que ce sera terminé, ce sera la fin de la phase des monstres et on repartira à la phase d'upkeep que vous connaissez déjà. On fera une interrogation écrite, je ramasserai des copies à la fin du cours. Donc on va d'abord faire nos activations donc, par celui qui nous intéresse, celui qui a demandé toute notre attention. Celui-ci, est-ce qu'il va s'échapper ou pas du donjon? C'est là la question. Comment ça se passe sur le... Donc il a un point de dégâts. Hein, et c'est un Raiding Minion. Donc il est un Raiding Minion. Quand le monstre est en Raiding, on ne se pose pas la question. Son objectif, c'est de sortir du donjon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour son déplacement, j'ai seulement ajouté un D6. Pourquoi un D6? Parce que ici, son mouvement qui est indiqué ici, c'est marqué 1 D6 plus 5. Donc on lance le D6. Et il fait 4. Donc 5 plus 4, 9. Et là, c'est coup de bol. 9. Donc comment ça se passe? Un Raiding Minion, il prend le chemin le plus court pour sortir en suivant donc les indications des flèches rouges qui lui indiquent la sortie. Donc là, sur cette tuile-là, de son, il sort par là, et la tuile d'après, c'est la sortie. Donc ce sera très simple. La sortie, elle est juste ici. Et il a fait 9. Donc son chemin, ça va être de faire soit comme ça, soit comme ça. Puisqu'ici, j'ai deux cibles différentes. Deux ennemis qu'il peut attaquer, parce qu'il va passer à côté. Il sera adjacent à eux, donc il fera une attaque, et une seule. Il va prendre, dans l'ordre de ses priorités, d'abord C1, ensuite C2 et C3. La claire, elle est C3. C'est marqué ici. Et le barbare, il est le grand vainqueur, puisqu'il est C1, ici. Donc en passant, donc en s'échappant du donjon, il va mordre au passage le barbare. Donc il va faire 1, 2, 3. Et après, il va aller jusqu'à 9. Mais avant de continuer son mouvement, on va faire un petit combat contre le barbare. Le combat du... ce loup-là, il a un type de combat arcane, donc c'est le vert, le spirituel et le chaos. Donc je ne vais pas vous mettre les... Je vais pas vous refaire le truc de combat, vous savez comment ça fonctionne. Et mon barbare, par contre, lui, il a... Ah, c'est chaos, il est bon en chaos, mon barbare. Donc il va contre-attaquer mon barbare en type de combat chaotique. Ah, mais c'est cool. J'ai une chance de l'illuminer quand même. Donc, comment est-ce que je fais pour faire la contre-attaque? Ben, en fait, vos personnages ont tous, au début de la partie, une compétence contre-attaque. D'accord? C'est la compétence de départ de tous vos héros. Ils l'ont tout le temps. Par contre, pour l'utiliser, il faut dépenser un point d'essence. Donc, j'utilise un point d'essence. Et si je veux, je peux même faire mon cri intimidant pour m'assurer que ma contre-attaque va marcher. Pour ça, je dépense un point d'essence, et la contre-attaque ne peut être faite plusieurs fois dans mon tour de jeu, hein, puisqu'elle ne se... on la met pas à l'envers, celle-là. Donc d'abord, on va lancer les dés pour connaître l'ordre. Et on va commencer par du combat arcane, ensuite du combat spirituel, et on termine par le chaotique, c'est pas de chance. Alors pourquoi c'est pas de chance? C'est que si j'avais fait le dégât... Dans la première phase du combat, il y a trois phases. Dans la première phase, ben je ne fais pas les deux autres phases. Si le monstre est mort, il ne peut pas me mordre après coup. Mais là, je risque de le blesser, de le tuer que sur le combat chaotique qui est la dernière phase. Donc en contre-attaque, j'ai le droit qu'à une seule attaque. Hein. Je ne peux pas attaquer avec mes deux armes, j'ai le droit qu'à une seule attaque. Voilà les résultats. De ce que je vois, ça doit être à peu près potable. Donc, on tombe 11 sur le vert, 15 sur le orange, et 12 sur le noir. Allez, j'ai encore un truc que j'ai pas fait. Et ça a peut-être changé l'issue du combat, d'ailleurs.
On lance le D20 pour le loup, normalement. Quinze. Coup de bol. C'est entre 16 et 20 qu'il ajoute 3 à ses compétences. Hein, je rappelle, à cause de son amulette, l'amulette qu'il est en train de porter là, entre 16 et 20, il ajoutait plus 3 sur ses valeurs de combat. Pour ce round-là. Donc en vert, j'ai fait 11. Mon barbare, il a moins 3. Donc ça fait que 11 moins 3, ça fait 8. Et que le loup, il fallait que je fasse 11. D'accord? Ici. Pour le type arcane. Donc mon barbare prend un dégât. Premier round, il se prend un dégât qu'il n'aurait pas pris si on avait fait le combat chaotique en premier. En orange, je fais 15 et j'ai un moins 2. Donc ça fait 13. Coup de chance, il fallait que je fasse 9. Donc je me défends bien aussi, je ne prends pas le dégât. Donc là, je suis que sur la défense. Et maintenant, ma contre-attaque, qui était sur l'arme chaotique, où je le rappelle, j'ai fait mon cri d'intimidation qui fait je vais diminuer la valeur que je devais faire, donc c'est pas 10, mais 8. Et j'ai fait 12 à mon lancer de dés. J'ai plus 3, donc ça fait 15. Et j'ai mes brassards qui me font plus 2, 17. Donc là, je le touche et je lui fais un point de dégâts avec ma hache. Et à ce moment-là, il avait déjà un point de dégâts qu'on lui avait fait tout à l'heure avec la claire. Deuxième point de dégâts, il avait deux points de dégâts, il est éliminé. Donc il ne continue pas, il ne pourra pas partir vers le village, attaquer le village. On va lancer un dé de loot. Si je fais 19 ou plus. Oh, un 8. Donc pas de loot. Et on va remélanger la carte chez les mignons. Le second mignon qui s'active, c'est le Shadow Servant. Donc lui, il n'est pas en Raiding Minion, il est en Vagrant, c'est-à-dire qu'il est un monstre errant en fait. Et d'ailleurs, il y a un effet si jamais il est en Raiding, parce qu'il se téléporte. Donc ça serait bien qu'il n'est pas en Raiding, lui. Donc lui, il a un D6 plus 3. Quand un monstre comme ça, un mignon, n'est pas en Raiding, il est type monstre errant, on lance un D6. Un dé qui correspond à la difficulté des monstres pour qu'ils se transforment en Raiding Minion. Et un monstre de couleur pour le chemin. Alors pourquoi? Pourquoi le D10 par exemple? Le D10, c'est la valeur qui est indiquée ici. C'est la valeur normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais lancer le dé, si jamais il tombe sur sa plus forte valeur, donc c'est le 10, et ben le monstre, avant de commencer son mouvement, se transforme en raiding. Et ça veut dire que son mouvement, il va le dépenser pour sortir du donjon. Donc même si vous ne rencontrez pas, si les monstres ne vous rencontrent pas et que vous faites en sorte qu'ils ne vous voient pas, il y a toujours une infime chance qu'ils soient en raiding minion. D'accord? Elle est petite la chance que c'est en fonction du dé, ce sera plus ou moins grand, mais c'est quand même pas énorme. Donc là, c'est si je fais 10, parce que c'est le niveau de difficulté choisi. Le dé ici, c'est pour choisir le chemin. Donc là, ici, mon mignon, c'est le Shadow Servant. Et lui, il est déjà sur un chemin, puisque le standee pointe de ce côté-là. Donc il est sur le orange. Donc lui, de toute façon, il va continuer sur le orange. Mais en fait, je lance tous les dés. Comme ça, dès que j'ai tombé sur un endroit où il doit choisir le chemin, je le fais tout de suite. Alors, sur le dé 10 déjà, 4, il ne se transforme pas en Raiding Minion. Ensuite, il fait 2. Et sa valeur de déplacement, c'est un D6 plus 3. Donc ça veut dire 5. Et si jamais il tombe sur un endroit où il faut que je choisisse le chemin, il prendra bleu. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'a même pas atteint, donc je laisse toujours le côté avant ici. Il n'a pas atteint le Tados, donc il reste sur ce chemin-là. Il fera encore 1 pour arriver près du Tados là-bas. Et il choisira après son chemin. Donc lui, c'est activé. Ensuite, j'ai le. C'est bien, on a un peu de tout. Le gardien, Horus. Là, vu la carte, il faut que je dézoome. Donc le gardien, son déplacement, c'est par cadran. Lui, il se déplace de cadran en cadran. Et lui, il va se déplacer de 4 cadrans. Et vous voyez que les cadrans, là, sur l'image, on les voit bien, il y a un cadran
Ici, ça c'est un cadran, ça c'est un cadran, ça c'est un cadran. Donc en fait, on va jeter pour chacun de ces mouvements, donc les quatre cadrans, un dé comme ça, pour savoir vers lequel il part. Puisqu'il va suivre le chemin, les chemins de patrouille, pour se rendre d'un cadran à un autre. Donc le premier que je fais, c'est du vert. Donc le vert, c'est en remontant. Donc il choisit ce chemin-là, tac, 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 et il arrive ici. Pendant qu'il fait le chemin, il faut toujours vérifier qu'il ne croise pas à distance de vue, donc à 4 cases, et dans une ligne de vue disponible, un héros. Si c'est le cas, il se déplace adjacent au héros pour l'attaquer. Donc là, c'est pas le cas. Et si jamais c'était le cas, mais que l'autre héros se trouvait sur une autre tuile, mais que le gardien n'avait plus de mouvement, il se mettrait au bord de la tuile sur laquelle il se trouve. Donc là, c'est pas le cas. On lance le deuxième dé. Vert. C'est le vert, c'est le chemin qu'il vient de prendre. Donc, il repart ici. Là, on est bien. Il fait l'aller-retour. Ensuite, orange. Il se déplace par là, parce que c'est le chemin orange, il arrive jusqu'ici. Tac, tac, tac. Là, c'est pareil, tout le long de la route, il n'a pas vu d'héros. Nous, on est tous partis par là, donc il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait une fois vert, deux vert, trois. Et dernier cadran, donc dernier mouvement, le vert. Et là, le vert, il repart. Donc, le vert, il n'y a pas de chemin vert qui parte directement. Par contre, il y a une empreinte verte qui est au mec qui prend la même direction que les empreintes roses, donc on prend ce chemin-là. Et il arrive ici. Voilà comment se déplace le gardien. Là, toujours pas de souci, il a vu personne, donc il a attaqué personne. On a un peu de chance. Le gardien, c'est fait. On passe au mignon Goblin Footman. Donc lui, il n'est pas en raiding non plus. Tous les autres ne sont pas en raiding. Parce que ceux qui étaient en raiding, on les a éliminés. Et lui, il se déplace d'un des 6 plus 3. Donc 1 plus 3, ça fait 4. Alors lui, il était sur le chemin vert, donc il continue. 1, 2, 3, 4. Là, il arrive sur un point de spawn, mais vu que c'est la fin de son mouvement, je vais passer au suivant qui est l'archer orc qui vient d'apparaître. Et il est apparu. Ah oui, il est apparu là-bas, lui. On repart du côté du gardien. Au D10, ça fait 3, donc c'est pas un Raiding Minion. Il se déplace de 2 plus 3, 5. Et il va prendre le chemin bleu. Donc 5, mais il fait d'abord un mouvement pour rejoindre le point de spawn. Donc 1, et le chemin bleu, 2, 3, 4, 5. Et enfin, le Skeletal Grunt, qui est au même endroit d'ailleurs. Ah ! Le D10 est sur 10. Le Skeletal Grunt récupère un pion Raiding Minion. Et donc, son mouvement, il va le dépenser pour sortir du donjon. Donc pour sortir, pour essayer. Il a fait 5 sur le mouvement. 5 plus 2, 7. Donc 7. Et on va chercher les flèches rouges. Donc il y en a une là et une qui doit être ici, qui est cachée par l'archer. Sur les flèches rouges, il y a des numéros. Ça veut dire que pour sortir du donjon, il peut passer par là ou par là. Donc on jette. Moi, je jette le dé rouge, comme ça, c'est la même couleur. J'ai fait un 6, ça veut dire qu'il va sortir. Là, il y a marqué 4-6, et là, il y a marqué 1-3. Donc, il va sortir par ici. Donc, je vais faire le nombre le plus court. Enfin, je vais me déplacer par le chemin le plus court pour partir ici. Et donc, on a dit que j'avais fait 5 plus 2, 7. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Il y a des pièges devant lui, mais c'est pas important. Les pièges, il va marcher dessus, il les déclenche pas. Et sur ce, c'était le dernier monstre de la pile des monstres. On a terminé la monster phase et la fin du tour de jeu d'un Dungeon Crusade. Donc je vous ai fait normalement toutes les explications à peu près du jeu. Il y a peut-être des petits détails qu'on n'a pas en explication, mais je pense que vous avez une bonne idée de la façon dont ça se joue. Alors forcément, déjà ça prend du temps,
Mais à expliquer, en plus je déplace la caméra et je fais différentes choses, c'est encore plus long, d'accord? Quand vous savez déjà comment on fait le tour de jeu, là quand moi je joue, c'est extrêmement rapide. Je perds un petit peu de temps sur la planification, on perd un peu de temps sur les combats, mais c'est aussi le côté sympa du jeu. Donc je trouve que le tour des monstres est plutôt rapide, le tour des héros peut être rapide aussi, les combats sont pas spécialement. On reste pas trop longtemps sur le combat non plus, hein, ça dure pas des plombes. Vous voyez que les combats dans le donjon c'est un round. Contre les champions, on n'a pas fait de combat contre un champion parce que c'était pas l'occasion, mais si j'en fais un, je filmerai peut-être. Voilà. J'aurais fait que je fasse un, que je vous filme une partie où on fait un ralliement et qu'on fait le combat de champion. Ça pourrait être cool. Ou contre un gardien. Parce que le gardien, je le rappelle, même s'il me pourchasse, il faut que j'aille l'éliminer. Il faut que j'élimine trois gardiens en tout pour réussir la quête. C'est celle-là. La quête des gardiens. Il me reste normalement un champion éliminé pour faire la side quest, la quête secondaire. Et je dois encore trouver tous les ingrédients pour la quête principale. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça s'est bien passé. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.